Une jeunesse engagée. Des acteurs de changement engagés. Des frères et sœurs engagés. Des hommes de médias engagés. Pour le Mali engagés. Pour le Mali engagés. Cérémonie de clôture de la deuxième édition de l'Académie des jeunes blogueurs du Mali a eu lieu ce samedi 1er septembre 2024 à Bamako. Chers formateurs, chers collègues blogueurs, chers invités, mesdames et messieurs, en moral et grade et qualité, tout protocole strictement observé, bonjour et bienvenue à cette cérémonie de clôture de la deuxième édition de l'Académie des jeunes blogueurs du Mali. Je suis Koucha Meïga et c'est un honneur pour moi de prendre la parole en cette occasion au nom de tous les blogueurs, tous les participants de la deuxième édition des blogueurs du Mali, avec comme thème « Réseaux sociaux, vecteurs d'engagement citoyen pour la paix et la stabilité au Mali ». Cette académie a été une expérience enrichissante. Grâce au réseau des blogueurs du Mali, nous avons acquis des compétences précises et qui renforcent nos contributions en tant que blogueurs. Nous sommes désormais mieux préparés à utiliser nos plateformes pour promouvoir la paix, influencer positivement les comportements et protéger nos lecteurs. Initié par l'Académie des jeunes blogueurs du Mali, cette deuxième édition a eu comme thème « Réseaux sociaux, vecteurs d'engagement citoyen pour la paix et la stabilité du Mali ». Pendant 3 jours, nous avons eu le privilège d'accueillir une cinquantaine de jeunes venus de Bamako et des différentes régions du Mali. Tous réunis pour une seule même passion, celle de faire entendre leur voix à travers les réseaux sociaux et de s'engager pour la paix et la stabilité au Mali. Sous le thème « Réseaux sociaux, vecteurs d'engagement citoyen pour la paix et la stabilité au Mali », nous avons exploré ensemble le potentiel immense que les plateformes numériques représentent pour la mobilisation citoyenne et la construction d'une société plus inclusive et pacifique. Au cours de ces 3 jours de formation, les participants ont eu droit à des modules sur la cybercriminalité et vérification des faits, les bases du blogging, la création du contenu et l'importance de véhiculer une information fiable et constructive. En réalité, les réseaux sociaux sont devenus des vecteurs essentiels de la communication citoyenne. Ils renforcent la transparence et rapprochent les collectivités de leurs citoyens, faisant d'eux des canaux de communication indispensables pour communiquer efficacement et répondre aux attentes des citoyens. Nous voudrons ici renouveler nos sincères remerciements à nos partenaires et surtout à vous, Madame la Présidente, pour l'initiative, mais également vous rappeler aussi l'engagement du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, à aller toujours de l'avant pour un citoyen modèle et engagé pour la paix et la stabilité au Mali. Chapeau aux initiateurs, vivement la prochaine édition. Une jeunesse engagée. Des acteurs de changement engagés. Des frères et sœurs engagés. Des hommes de médias engagés. Pour le Mali engagés. Pour le Mali engagés. Doudou Baba Info, revue de la semaine. Revue de la semaine. Doudou Baba.